J'ai pas eu l'impression dans le discours que j'ai entendu euh, qu'il y avait une révolution intellectuelle dans sa cervelle sur le fait qu'il avait bien compris comment le monde était structuré et qu'on allait agir en conséquence. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a enregistré effectivement de timides progrès dans l'organisation de l'appareil d'État. Avec la création d'un secrétariat général à la planification écologique, euh, qui est en fait une espèce de résurgence du commissariat au plan, qui nous avait pas si mal réussi, hein, euh, parce que ça a quand même accouché d'un certain nombre de choses très structurantes qui aujourd'hui. Vous, l'industriel, vous considérez quand même que la planification, elle est importante, et notamment sur la question d'énergie. Elle est essentielle, euh, parce que quand on doit raisonner électricité, on raisonne à 50 ou 100 ans. Quand on raisonne infrastructure de transport, on raisonne au siècle. Euh, quand on raisonne urbanisme, on raisonne à plusieurs siècles. Donc évidemment que la planification est essentielle. Une autre manière de dire ça, c'est qu'on ne peut pas laisser au marché le soin de s'organiser pour structurer l'avenir de long terme ça marche pas et du reste la quasi totalité des gens qui ont regardé d'un peu près ce que c'est qu'un marché disent que ça marche pas dans l'électricité on l'a bien vu du reste donc, la planification est absolument essentielle. Euh, les Français sont historiquement pas mauvais à ce genre d'exercice. Euh, donc, c'est peut-être ça que le président avait en tête quand il a parlé de planification à la française, mais si enfin d'écologie à la française, mais sinon je sais pas, il faut aller lui poser la question. Par contre, euh, pour moi qui ai attentivement lu son discours de vœux, c'est une phrase parmi d'autres. Euh, c'est pas ça qui a, qui, qui a occupé l'essentiel le, de son discours. Et moi, je n'ai pas retiré de ce discours l'impression qu'il avait une vision extrêmement structurée autour de cette question de l'environnement. Et alors, je vais le dire d'une autre manière, autour des flux physiques qui régissent le monde. Parce que qu'est-ce que c'est que le monde, quand on regarde bien, c'est des flux physiques. C'est des gens qui se déplacent, c'est de l'acier qu'on fabrique, c'est du béton qu'on fabrique, c'est des villes qui grossissent, c'est des villes qui diminuent, quelquefois, c'est des marchandises qui se déplacent, c'est des produits qu'on fabrique, etc. Et c'est ça qui fait la vie, le quotidien des Français, c'est ça. L'organisation d'un pays, c'est ça, etc. Donc, en fait... J'ai pas eu l'impression, dans le discours que j'ai entendu, euh, qu'il y avait une révolution intellectuelle dans sa cervelle sur le fait qu'il avait bien compris comment le monde était structuré et qu'on allait agir en conséquence. Ça voilà. vous a pas convaincu euh, C'est moi qui le suis. J'ai je n'ai pas remarqué ce point-là, on va dire. Euh, Jean-Marc Jancovici, euh, vous avez aussi parlé de la question des financements et la question des marchés, en disant qu'il ne faut pas laisser au marché. Alors, euh, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron euh, parle de taux d'intérêt vert et de taux d'intérêt brun. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aurait des taux d'intérêt très favorables si c'est pour investir et se lancer dans des choses qui sont bonnes pour la planète et pour la transition écologique, et brun, c'est-à-dire assez dissuasif oui. si c'est l'inverse. Est-ce que ça, ça peut être efficace et quels devraient être les critères Alors ça, vous voyez bien que c'est typiquement un instrument de planification. Au sens où c'est un instrument réglementaire, hein, on laisse pas le marché décider, on dit bah je vais structurer le marché, je vais l'orienter comme ça. Alors oui, je pense que c'est une bonne idée euh, parce que euh, vous avez un certain nombre d'investissements qu'il faut faire dans des, par exemple dans des moyens de transport, euh, dans du train, dans des pistes cyclables, etc. C'est des infrastructures à longue durée de vie et dans les infrastructures à longue durée de vie, le, ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire le coût auquel on a accès à l'argent pour euh, bâtir ces infrastructures, c'est quelque chose qui est déterminant dans le coût d'utilisation derrière. C'est pareil en ce qui concerne l'électricité, euh, que ce soit des réacteurs nucléaires qui durent 60 ans ou des éoliennes ou des panneaux solaires qui durent 30 ans, euh, le coût auquel on a l'argent, le taux auquel on a l'argent, c'est structurant dans le prix qu'on va payer le mégawattheure derrière. C'est pareil pour les réseaux électriques, euh, etc. Donc il y a un certain nombre d'investissements pour lesquels c'est essentiel d'avoir de l'argent pour pas cher euh, si on veut transformer le monde qui nous entoure. Donc c'est une très bonne idée, oui, absolument, d'avoir un taux d'intérêt qui soit plus bas pour ce qu'on appelle le vert. Qu'il faut bien définir, euh, et ce qu'on appelle le brin. Dans le reste des vœux, il y avait surtout les JO, la fierté française, l'année mmh. du millésime français, les Jeux Olympiques cet été à Paris, les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 euh, dans les Alpes. Pour vous, il aurait fallu y annoncer alors je ne sais pas s'il aurait fallu y renoncer, mais on aurait pu en profiter pour faire justement des jeux à la française, d'une certaine manière, euh, c'est-à-dire dire, dire bah, on va limiter le nombre de spectateurs qui viennent en avion, euh, ou bien euh, on va limiter la quantité de mètres cubes de béton qu'on coule pour les infrastructures, ou bien, etc. Euh, donc on aurait pu essayer, parce que c'est ça l'enjeu, euh, de marier la question environnementale avec la question des jeux. Euh, c'est évident que les jeux, c'est un événement qui va être festif, euh, les gens sont plutôt contents, je pense qu'on en fait... Vous avez des... ça le rôle, en fait, Jean-Marc Jocomissi Un peu, hein? oui, je suis un peu casse-bonbon. Ouais, c'est ça, faut pas des... prendre de vacances. Euh... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Faut, faut... pas du tout. Faut pas forcément euh... faire de... Enfin, la dernière fois que vous étiez venu, vous m'avez quand même dit qu'il fallait grosso modo renoncer à cette non, société de loisirs. Non, mais attendez, ne pas prendre de vacances, c'est pas ne pas prendre l'avion. Non, <laughs> ne pas prendre de vacances, cest à oui. Je vous, vous rappelle des vacances, que l'essentiel des, fran des Français partent en vacances sans prendre l'avion, euh, quand même. Non, non, bon. vous aviez même dit le fait même de changer de région et d'avoir des, des éventuels lieux, lieux de vacances. On va y revenir, mais sur bah, les lieux. En, en fait, c'est le difficile arbitrage, hum. l'environnement, entre ce à quoi on renonce aujourd'hui et, et, et les renoncements qu'on se promet pour demain, qui risquent d'être beaucoup plus désagréables euh, si on n'accepte pas des petits renoncements aujourd'hui. Et il y a certains renoncements qui sont quand même des petits renoncements. Euh, J'insiste quand même sur le fait que de ne pas prendre l'avion pour partir en vacances, c'est pas un gros renoncement. C'est quand même pas un truc de plus avoir de toi. Oui, ça c'est un gros renoncement. Ne pas, pas manger à sa faim, ça c'est un gros renoncement. Et ce sera les renoncements. Enfin, ce sera, ce sera les, les être prêts euh, qui arriveront demain si on fait pas ces petits renoncements. Alors bien sûr, il y a un risque. Alors c'est quoi les, les, les gros risques et les risques de déstabilisation politique En fait, quand on regarde bien, il euh, y a un lien évident entre la montée du populisme. Qui a aussi occupé une partie des voeux présidentiels, euh, et le, la, la, la déshérence matérielle non prévue. D'une partie de la population. Et en particulier, euh, l'appauvrissement subi des classes moyennes, quand ils ont l'impression qu'ils euh, se retrouvent pris dans quelque chose qui est inverse aux promesses qu'on leur avait faites, ça ne leur plaît pas du tout. Et ça a donné naissance au Brexit, ça a donné naissance à l'ascension de Trump, et chez nous, ça donne naissance à des phénomènes à peu près identiques. Ça a donné naissance également en Italie au sentiment de déclassement qui a porté Mélanie au pouvoir. Enfin bon, bref, tout ça, c'est des phénomènes identiques. Euh, et là-dedans, il y a un déterminant environnemental, parce qu'il y a un déterminant physique, il y a un déterminant de ressources dans cette histoire. Si l'économie plus tourner faute de ressources, on assiste à ce genre de choses. Donc évidemment que la sanction, elle risque d'être beaucoup plus désagréable euh, que l'organisation autour de moins dans un certain nombre de secteurs. Mais moins dans un certain nombre de secteurs, euh, c'est pas, pas la mort. Enfin, je veux dire, il y, y, y a tout à fait une manière de s'organiser avec ça. Donc pour en venir aux Jeux Olympiques. Moins de JO Alors non. Des JO différents peut, bah, Vous savez, au moment où les JO ont été remis en selle euh, à Athènes en 1896, si ma mémoire est correcte, il y avait 241 athlètes euh, qui participaient aux Jeux, nous dit euh, le Comité international olympique. Euh, les Jeux de Paris, je crois qu'on en attend 15 000. Euh, donc on est, on en fait est... le problème c'est l'échelle. Exactement. On n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc euh, on coule beaucoup plus de béton pour faire les infrastructures. On fait venir beaucoup plus de spectateurs, dont une large partie en avion. Donc ça, ça plombe le bilan carbone. Et en ce qui concerne les Alpes, alors qu'on sait très bien que la neige va se faire de plus en plus rare. Alors qu'on sait très bien par ailleurs qu'une large partie des Français n'ont pas les moyens d'aller au sport d'hiver et que ça se contracte, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est réservé à des gens qui ont des moyens et qu'il y a un vrai sujet sur la disponibilité de ces moyens à l'avenir, est-ce que c'est vraiment pertinent d'équiper encore plus les régions de montagne d'infrastructures qui sont dépendantes à la fois des énergies fossiles et de la neige c'est une question qui est posée et que je n'ai pas vu posée avant qu'on dise on va candidater pour les Jeux d'hiver. Elle n'a ouais. pas été posée effectivement avant. On verra si elle se pose ensuite. Mais là, au moment bon, où... Ensuite, c'est un parle, peu tard. Euh, une, toute petite, une toute petite portion des, des Français, effectivement, euh, envisagent d'aller euh, à la montagne, mais ça fait vivre un certain nombre euh, oui, oui, de, oui. de communes. Est-ce est qu'il faudrait d'entrée de jeu fermer le robinet euh, Alors, faut et pas, dire, faut okay, bah on se donne encore 10 ans, dans 10 ans, on ferme Si je peux me permettre, vous, les journalistes, vous êtes marrants parce que vous êtes toujours blanc et noir, aujourd'hui et demain. Non, tout ça. Non, est Essaye de, y... de vous laisser le temps d'inviter, <laughs> mais c'est vrai que parfois on et a je, envie de réponse. Et je vous en remercie. Mais euh, donc en fait, il, il faut bien voir ça comme une transition progressive. Le grand problème de toutes ces transitions, c'est l'impatience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on réalise un problème, on voudrait que le problème soit réglé le lendemain matin. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, donc là, la question est celle de la transition progressive. Il faut savoir qu'il y a un siècle, euh, les territoires de montagne, ils vivaient chichement d'agriculture et un peu d'industrie quand même, parce qu'il y avait l'hydroélectricité qui permettait à l'industrie... Se développer. C'est pour ça, par exemple, que la vallée de l'Arve est si industrielle. Et puis, on est passé à une civilisation de loisirs grâce aux énergies fossiles qui ont permis d'augmenter le pouvoir d'achat, de libérer du temps libre, etc. Et aujourd'hui, la moitié du PIB de la Savoie, par exemple, est constituée du tourisme. Bon. Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne Malheureusement, à l'échelle de quelques décennies, pas sûr. Alors, est-ce que c'est en équipant encore plus ces régions d'infrastructures pour, enfin, pour faire des sports d'hiver qu'on va dans la bonne direction moi, En fait, je on dis, repeint la façade, mais, mais ça moi, va finir s'écrouler derrière. C'est en fait. pas sûr. Peut-être que le même argent aurait pu être employé de manière un peu plus intéressante pour faire d'autres choses qui auraient permis aux mêmes régions, puisque je ne leur veux pas de mal à ces régions-là, c'est évident, euh, de commencer à penser l'après. Euh, sport d'hiver, euh, j'ai envie de dire, euh, magnifique, ou je ne sais pas comment il faut le dire, euh, euh, très important, euh, qu'on connaît aujourd'hui. Ouais.